4, 3, 2, 1. Essaye de comprendre une minute, toi aussi, petite idiote. Pense à quelqu'un qui t'énerve, qui est con et qui t'énerve. Pense à Xavier. Tu imagines un monde où les arbres auraient dit non contre la sève? Où les bêtes auraient dit non? Alors essaie de me le valoriser un peu plus, moins que ce soit banalisé. Tu imagines un monde? Alors ça veut pas dire prendre ta voix très grave, tu peux garder la voix que t'avais. Tu imagines un monde? Ça veut peut-être dire... Non. Ça fait chier, tu as envie de fuir. Comme ça. Et donc, voilà. Voilà. Il y en a d'autres à qui je vais dire, vas-y, bouge. Vas-y, tu vois. Et toi, je sens que c'est... Te tairas-tu enfin? Pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que tu sais que j'ai raison? Oh, Tivène, elle a peur d'attraper des Livres. Oh, elle est raide, hein. Mais... Bon, je suis pas un mec, d'accord? Voilà, on peut faire comme ça. Ben oui. Tu es malade? Ce n'est rien. Un peu de fatigue. C'est parce que je me suis levée tôt. Vous vous levez tôt? Oui. Cela se voit. Et vous? Vous vous couchez tard? Oui. Cela se voit aussi. Merci. Entre nous, cela ne vous dérange pas trop? Comprendre, toujours comprendre. Moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Il est si je deviens vieille. J'ai assez pleuré d'être fille. Ton bonheur est là devant toi. Tu es fiancée, tu es jeune, tu es belle. Non. Approche-toi. Avance. Ne fais pas un angle droit. Elle l'a fait. Mais tu danses ou t'es fou, il va te l'amener ton mec. Ah bah je lui envoie un message. Elle a craché de l'eau. Non, elle t'a pas fait pipi dessus. Ah ben non, mais... Attends, tu m'as roulé sur les chapeaux là. Oh là là. Et pour ne pas l'effrayer, je rampe au milieu des feuilles mortes. Je m'approche très discrètement, j'essaie de me fondre complètement dans le paysage. Eh ben quoi? Eh ben ça veut dire qu'on est interdit, mais qu'on est toléré. Eh ben quoi? Eh ben ça veut dire... Eh ben quoi? Eh ben ça veut dire... Oui, j'avais amené ça, le truc de la caisse enregistreuse. J'avais trouvé ça dans la rue. Enfin, c'est un pote qui a acheté une caisse enregistreuse. Et je me disais, tiens... Vous gueulez toute votre vie pour que ça bouge. Et puis quand ça bouge, alors là... Faut surtout pas que ça bouge. Sans publicité. Déroger, pas autorisé, déroger. Eh ben c'est très bien, déroger. Oui, c'est très bien, ça, Roger. Mais c'est un super prénom, ça, Roger. Il devrait y avoir plus de Roger. Oh, c'est bon, vous. C'est déjà assez compliqué, là. Qui c'est qui vous a invité, vous? Oh là là, mon pauvre Roger, là, je crois qu'on est personnel non grata, là. Ouais, vous, là, allez faire vos délires sur Radio Vox. Hein. Sans publicité. Dérogation. Sans publicité. Mais t'es en train de me draguer, là? Décidément, on a qui donne du mal. Tu peux le faire, mais t'es en train de me draguer, là. Oh non, là, j'ai pas l'air pas ridicule, hein. Si la perruque, ça casse la gueule au moment où lui, hein. Séance comme j'adore ces moments-là. Si t'avais pas ce problème-là... J'ai du mal à... Que les deux camps les plus opposés, les libéraux comme Giscard et les communistes, se retrouvent à défendre tous les deux
Le monopole. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair pour toi. J'essaie d'être synthétique. Bien. Son cœur, qui s'est arrêté sur le dernier battement, l'air qui n'entre plus dans sa poitrine, et ce silence infini qui sépare chaque seconde de la suivante. T'imagines le mec, ce soir-là, dans sa cellule. C'est le dernier jour du dernier condamné. Parce qu'à partir de ce moment-là, il n'est plus condamné. Il s'appelle Philippe Maurice, comme les cigarettes. Les cigarettes du condamné. Et quand même, fallait le faire, non ? Moi, hein ? Super. Super. Il a des disques de rap de New York. Non mais vous vous rendez compte ou quoi? Là on le fait vraiment quoi. C'est pas comme ça que ça marche en fait. Tu peux pas aller comme ça et puis hop on te... Attends mais c'est quoi ce boxon encore ici là? C'est qui lui? Pourquoi est-ce que tout le monde rentre ici comme ça? À quoi ça sert? Qui est à la gueule si c'est pas pour filtrer? Tirez-vous tous! Allez, vous êtes tous virés, là. Je vais plus voir personne. Je vais rester tout seul, moi. Hein? Je n'ai rien à foutre. Je vais tout prendre à zéro. Moi, j'ai pas besoin de vous, hein. Vous, vous avez besoin de moi. Mais moi, j'ai pas besoin de vous, hein. Moi, des comme vous, j'en trouve quand je veux, hein. Je claque des doigts et ça réplique. Et pas des comme vous, justement. Des mieux que vous. Ici, vous êtes chez moi, OK? Alors, prenez vos saloperies, hein. Non, d'ailleurs, prenez rien du tout. Cindy Bescolier, ouais, la coiffure. Tu vois, c'est un peu tombant comme ça. Je l'ai mis exprès pour cette scène-là, celui-là, la découpe. Il faut que tu ramènes ta voix en avant. Sans publicité. Et avec le souffle, ça vient naturellement. Me fais pas des phrases de 6 mètres de long, c'est... C'est fatigant à entendre. Flo, tu prends tes aises aussi. Ça a été la musique, j'ai baissé, là, comme tu... Ouais, voilà, ouais. Ça t'a fait un signe. Boulak, ça fonctionne complètement. La scène à deux avec Oriane, c'est super. Ça va ? Oui, ça va. Ça va pas. Julie Zano qui ne bénéficie pas dans notre pays du meilleur environnement pour faire son sport. Deux et demi retournés. Renversés. Non, retournés, pardon. Très applaudi par le public américain. T'as l'impression de voir des immeubles. C'est plutôt neutre. Toi, ça fait pas trop costumé. Mais moi, sur la table, bon, je reviens toujours. Je ne sais pas ce que je veux. Non. C'est moi, je sais ce qu'il y a sur la table. Ah, tu peux pas mettre un truc sur toi, qu'on ne voit pas plus ça. J'ai peur que ça ne te plaise pas. Mais c'est vous qui vous moquez du monde. Je suis en train de faire la scène ici maintenant. Mais c'est quoi ce bordel? 5, 4, 3, 2, 1.